Bonjour à tous. Oui, notre pays est un pays engagé, est un pays d'engagés. Et le pro bono est un des chemins de ces engagements. Chez nous, ici en France, vous avez 20 millions de Français qui sont bénévoles, 1,8 million de salariés du monde associatif. Mais vous avez surtout cette volonté d'aller rechercher, d'aller accompagner, d'aller accroître cette recherche de l'intérêt général. Et ça, chacun peut y apporter une pierre, de l'énergie, ce qu'il a au fond de lui. Et le pro bono est un des chemins, une des formes d'engagement. Il n'y a pas de hiérarchie dans les engagements. Il n'y a pas des engagements qui valent plus que d'autres. Au contraire, l'engagement, il peut être syndical, associatif, au sein même de son entreprise, en pro bono, ou encore, il peut être tout simplement politique sur un territoire, en tant qu'élu. Vous savez, moi je crois en l'avenir du pro bono, je crois en l'avenir de l'engagement, encore plus dans notre pays, pour plusieurs raisons. Aujourd'hui, nous avons besoin de sens. Nous avons besoin de faire vibrer encore plus fort la fraternité dans notre pays. Nous avons besoin de sceller, de cimenter ce pacte social qui nous unit. L'engagement, qu'il soit bénévole, qu'il soit en pro bono, qu'il soit pendant sa jeunesse ou un peu plus tard, il vient apporter ce lien. Cet élément qui fait que notre devise républicaine est complète. Et c'est là où j'ai énormément d'espoir. Aujourd'hui, c'est 30% des salariés qui se disent favorables, qui ont envie, qui ont cet appétit. Aujourd'hui, quand un jeune se présente dans une entreprise, avant de dire oui, eh bien il regarde. Quels sont les engagements de cette entreprise? Comment il va avoir un sens au quotidien? Comment finalement travailler et s'engager vont de pair? Et le pro bono est un des chemins qui le permet. Pour les associations, c'est une chance en or, pour plusieurs raisons. Dans cette crise sanitaire, les associations, elles ont été bousculées évidemment financièrement, mais aussi humainement, dans le soutien qu'apportent d'habitude ces éléments structurants dans nos associations. Le pro bono est une voie, le pro bono est une des solutions, une des réponses. Parce qu'une association, elle a évidemment besoin de moyens financiers, d'accompagnement, mais elle a aussi besoin de compétences, d'énergie, d'innovation, de créativité. Et le pro bono le permet. Parce que c'est un chemin d'engagement. Parce qu'il apporte ce petit plus. Parce qu'il permet à chacun qui le souhaite d'avoir ce sens, d'apporter cette pierre à l'intérêt général, d'apporter ce qu'il est, parce qu'il lève des freins d'organisation du quotidien. Alors le pro bono est un chemin d'engagement. Il a toute sa place dans notre pays. Et évidemment, tous les petits freins, tous les petits cailloux qu'il a encore sur son chemin, eh bien nous les lèverons ensemble. Parce que moi j'y crois, parce que je vous connais, et je sais qu'ensemble, rien ne pourra nous résister.